Je veux juste vous laisser savoir que nous allons enregistrer cette session aussi, car la compagnie qui fait publication va utiliser ceci pour promouvoir le livre aussi, et on va le publier sur notre page Facebook. Bonjour et joyeux mois du travail social. Je m'appelle Miguel Leblanc, je suis le directeur général de l'Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au lancement du livre « Le Nouveau-Brunswick avant le programme d'égalité sociale, l'histoire sous l'angle du travail social » par Laurel Louis, Luigi Richard, Linda Turter et aussi M. Brian Ouellet qui faisait partie. On va en discuter un peu plus. La TTSNB, premièrement, nous avons pris position comme organisation de l'importance de reconnaître les terres, car on pense que c'est primordial qu'on fait ceci au début de chacune de nos rencontres, réunions, activités. Donc, je vais commencer avec que la TSMB affirme que les terres du Nouveau-Brunswick font partie du territoire non cédé et non abandonné des peuples Mi'kmaq, Oluxtukwe et Passamaquoddy. La TTSNB respecte la langue, l'histoire et les cultures des peuples autochtones dont la présence continue d'enrichir nos communautés et notre province. L'événement aujourd'hui découle d'une collaboration entre la TTSNB, le conseil étudiant de l'École du travail social de l'Université de Moncton et l'École du travail social de l'Université de Moncton. Pour ceux qui ne le savent pas, ce lancement du livre était initialement prévu pour le mois de mars 2020, mais comme vous le savez tous, avec la pandémie et toutes les circonstances de l'impact de cette pandémie, nous avons dû annuler cette première étape. Mais nous sommes heureux de pouvoir enfin organiser cet événement pour célébrer le travail accompli par Laurel, Linda et Louis. Tout d'abord, nous demandons à chacun de garder votre microphone en silence pour éviter tout bruit d'arrière-plan. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur l'icône du microphone situé en haut de votre écran. Vous trouvez également l'icône de chat en haut de l'écran. Je vous invite de le taper vos questions à tout moment et nous aurons l'occasion de les poser à la fin de cet événement. Veuillez également noter que nous enregistrons cet événement d'aujourd'hui afin que la presse de l'Université Laval puisse télécharger l'enregistrement sur leur chaîne YouTube. Si vous ne souhaitez pas que votre visage soit visible pour l'enregistration, n'hésitez pas à éteindre votre caméra en cliquant sur l'icône de caméra en haut de votre écran. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous faire le savoir dans la boîte chat et quelqu'un vous aidera. Nous sommes également ravis d'offrir 5 copies de livres. À la fin de l'événement, Martine laissera un lien dans le chat. Veuillez utiliser ce lien pour entrer votre nom et vos coordonnées et nous contacterons les gens qui ont gagné une copie au cours de dans les prochaines journées. Alors, sans plus tarder, je suis très heureux de céder la parole à notre première invitée, Mme Lise Savoie, directrice de l'École de travail social de l'Université de Moncton. Merci. Lise, la parole est à vous. Oui, bonjour, bonjour et bienvenue à l'école. Il y a un écho. Est-ce que vous entendez un écho? Moi, je vis avec. Oui, hein? Là, est-ce que c'est mieux? Parfait, merci. Donc, bienvenue à l'École de travail social, même si c'est en mode virtuel, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir chez nous, à notre école. Puis ça nous fait aussi vraiment plaisir de participer à cet événement. Je voudrais remercier Miguel d'avoir fait la reconnaissance des terres, parce que l'Université de Moncton et l'École de travail social reconnaît également les terres sur lesquelles nous sommes. Et aussi en mode virtuel, hein, toutes les terres autochtones à travers notre province et ailleurs. Donc, l'école est vraiment, vraiment contente de participer à cet événement. Comme Miguel l'a dit, c'est un événement qui devait avoir lieu il y a 2 ans, en mars 2019. Puis, quelques jours avant, on a dû annuler l'événement en raison de la pandémie. Donc, on se reprend. Et on recommence l'événement d'une autre façon. Quand j'ai discuté avec Louis
durant le temps des fêtes sur la possibilité de le faire en virtuel. Il a accepté, même si cela était pour lui, pour nous maintenant, on est habitué, mais pour lui, c'était tout à fait nouveau. Et on l'a encadré, on l'a guidé, puis il va bien faire ça avec nous, sans aucun souci. Donc, je voudrais féliciter les auteurs de ce livre, hein, Laurel Louis, Louis Richard et Linda Turner. Parce que c'est un livre qui est important pour le travail social et pour la profession du travail social. C'est un livre qui nous permet de reconnaître les pionniers, puis de savoir, de comprendre comment cette profession-là est mise au monde, si vous voulez. Et Isabelle va vous en parler beaucoup mieux que moi tantôt. Je voudrais faire une petite mention spéciale à Louis, parce que Louis, pour plusieurs des professeurs ici, il a été notre professeur, donc pendant que nous étions étudiantes. Ensuite, il a été notre collègue pendant qu'on commençait notre carrière à l'Université de Moncton. Il nous a servi de mentor et de guide. Et puis, il est toujours notre ami et l'ami de l'école, bien entendu. Il vient souvent nous voir. Puis on est très, très contents de continuer à discuter avec lui de l'École de travail social. Il est toujours très intéressé de savoir ce qui se passe ici. Donc, je voudrais aussi reconnaître l'effort que les auteurs ont mis pour traduire cet ouvrage qui était dans un premier temps en anglais et qui a été traduit en français. Et j'ai discuté à plusieurs reprises avec Louis de cette traduction-là parce qu'il a mis énormément d'efforts et les auteurs aussi pour trouver des sous pour la traduction, trouver des maisons d'édition et tout ça. Et maintenant, ben, c'est un fait. Le livre est en français et on va pouvoir s'en servir, si vous voulez, dans nos classes pour enseigner le travail social. Donc, c'est vraiment un effort qui est apprécié et appréciable parce que souvent, la littérature en travail social est en anglais. Donc, merci beaucoup. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter vraiment un bon lancement. Et je vais céder la parole à la deuxième invitée, qui est Madame Nancy Hertling, sénatrice. Bon, Madame, avec merci Lise, nous sommes également heureux d'avoir parmi nous l'honorable sénatrice Nancy Hertling. Et je veux renforcer le message que Nancy est un membre aussi à l'ANTS, donc je pense que c'est très important des positions et des postes de leadership comme ça, de tout temps, vont être enregistrés avec nous autres. Donc, je te cède la parole, Madame Hertling. Merci. Merci, Miguel. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Merci à tout le monde qui a rendu ce lancement possible. Cet événement est une bonne manière de célébrer le mois du travail social. Toutes mes félicitations. Je suis très heureuse d'être ici pour célébrer le lancement du livre « Le Nouveau-Brunswick avant le programme d'égalité sociale. L'histoire sous l'angle du travail social. » Cet livre historique est très important pour notre province et notre profession et je vous dis bravo de Laura Louis, Louis J. Richard et Linda Turner. Leur collaboration a produit un travail bien réussi. Mon intérêt pour le travail social a commencé quand j'avais 5 ans. Oui, 5 ans. Ma tante Avis était un travailleuse sociale et elle me portait avec elle pendant qu'elle faisait des visites à domicile dans les régions rurales de Nouvelle-Écosse. Je me souviens de regarder ses clients, en particulier les enfants, par la fenêtre de la voiture. Bien sûr, les choses sont différentes maintenant et cela ne sera pas possible. Mais cette expérience m'inspire à devenir travailleuse sociale. Je suis toujours membre de la ATSNB et en tant que sénatrice, je fais la promotion du travail social à travers de nombreuses activités. Lorsque de ma carrière, je travaillais comme directrice générale et travailleuse sociale pendant 34 ans dans une agence à but non lucratif. L'École de service social à l'Université de Moncton est très spéciale pour moi parce que de nombreux étudiants ont fait leur stage à notre agence. C'est alors que j'ai
que j'ai rencontré Louis et qui nous est une amitié très spéciale, Louis. Quand il me parlait de ce livre, j'étais très intéressant et excité de le lire ensuite, d'en faire la promotion. Encore une fois, ma sincère gratitude pour cet événement aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, sénatrice Hartland, et merci d'être ici aujourd'hui. Ensuite, j'ai le plaisir de vous présenter notre présidente de la TTSNB, Mme Géraldine Poirier-Bahani. Bonjour tout le monde. Premièrement, je veux profiter de cette occasion pour vous remercier l'Université de Moncton, le conseil étudiant de l'Université de Moncton, le personnel de la TTSNB d'avoir organisé cet événement. Et je remercie également tout le monde qui est présent en haute tribune là. Nous sommes ici pour célébrer enfin le lancement du livre de Nouveau-Brunswick avant le programme d'égalité sociale, Histoire sous l'angle du travail social. Je tiens tout particulièrement à remercier les auteurs du livre, Laura Louis, Louis Richard, mon ancien prof, et Linda Turner, ainsi que les presses de l'Université de Laval. Comme vous le savez, le mois de mars est le mois national du travail social et chaque année, nous célébrons notre merveilleuse profession et le travail essentiel que font les travailleuses et travailleurs sociaux de nos communautés. Quelle meilleure façon de célébrer ce travail qu'à travers un livre qui met en lumière l'histoire du travail social de notre province du Nouveau-Brunswick. Les travailleuses et travailleurs sociaux ont une longue histoire au Nouveau-Brunswick pour aider les personnes les plus vulnérables de nos communautés, et c'est tellement important que ça soit souligné dans ce livre. Le thème du mois du travail social cette année, c'est le travail social est essentiel, un besoin critique. Et pendant la pandémie en particulier, il y a eu une forte demande de travailleurs sociaux. Notre profession apporte tellement de valeur à nos communautés et c'est si important de connaître l'histoire de notre profession. Après tout, notre histoire a créé notre présent. Je veux aussi mentionner à quel point c'est excitant d'avoir ce livre disponible en français. Je sais qu'il a fallu du temps et beaucoup d'efforts à traduire ce livre. C'est très excitant de pouvoir enfin lancer le livre et ce, en français. Je tiens à remercier tout le monde qui sont ici, en particulier les auteurs, et j'ai hâte d'entendre ce qu'ils ont à dire. Merci beaucoup tout le monde et bon mois de travail social. Merci, Géraldine. Puis je dois dire, j'ai eu la chance de lire le livre en français et en anglais et c'est un excellent livre et ça m'a tout le temps donné la joie parce que chaque auteur a été mes professeurs d'une manière ou d'une autre, donc ça fait bien. Et Brian Ouellet, un des fondateurs que vous allez entendre, Madame Anne Ouellet, était un de mes professeurs aussi et je sais que vous le connaissez tout bien aussi. Donc c'est un très bon livre. Mais sans plus attarder, j'aimerais inviter une étudiante en travail social, un de nos futurs travailleurs sociaux pour notre province, Alison Haché-Chiasson, étudiante en travail social de l'Université de Moncton et présidente du conseil étudiant, à venir introduire notre prochaine invitée. Puis la parole est à toi, Alison. Merci. Merci beaucoup, Miguel. La prochaine personne invitée, c'est Isabelle Lantaigne, directrice adjointe et professeure à l'École de travail social de l'Université de Moncton. Puis elle nous fera part de son appréciation pour le livre. La parole est à vous, Isabelle. Merci, Alison. Alors, c'est avec plaisir que j'ai accepté de présenter le livre. Un des auteurs, Louis Richard, comme Lise l'a mentionné, ça a été un professeur, un collègue. Mais aussi, ça a été la première personne quand j'ai pensé à venir en travail social et devenir une travailleuse sociale. C'est la première personne que j'ai rencontrée à l'école, puis qui m'a vraiment bien accueillie. C'est ce qui a comme penché la décision pour venir étudier à l'École de travail social.
Alors, avant le décès de Catherine Marcosio, ancienne professeure à l'École de travail social, celle-ci m'avait fait part de ce projet d'écriture avec d'autres professeurs, dont Brian Ouellet, projet qui va se terminer quelques années plus tard par la publication du livre, grâce aux efforts de Laurel Louis, Luigi Richard et Linda M. Turner. Alors, cette collaboration entre collègues en travail social, à la fois de l'Université de Moncton et l'Université St. Thomas à Fredericton, met en lumière les efforts des premiers travailleurs sociaux et travailleuses sociales qui ont composé à cette époque avec l'extrême pauvreté des plus démunis au Nouveau-Brunswick. Cet ouvrage propose ainsi un portrait historique permettant de mieux comprendre le travail social au Nouveau-Brunswick dès ses débuts. Un chapitre est consacré à 12 de ces pionniers qui étaient les premiers travailleurs sociaux acadiens ayant obtenu leur diplôme universitaire durant les années 1950 et 1960. Un grand nombre d'entre eux ayant étudié, par exemple, à la Maritime School of Social Work, et dont Marcel Arsenault était un de ces pionniers qui a aussi été l'un des fondateurs de l'Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick. Dans les extraits suivants, Luigi Richard mentionne 9 des 12 premiers travailleurs sociaux acadiens étaient issus de petites collectivités rurales du Nouveau-Brunswick, dont la langue d'usage était principalement ou exclusivement le français. Dans les années 1950 et 1960, les perspectives d'emploi qui s'offraient aux travailleurs sociaux acadiens du Nouveau-Brunswick étaient concentrées dans les organismes de services sociaux et les établissements en santé mentale. Les bureaux de services sociaux se trouvaient dans les grands centres. Les services de santé mentale de l'époque étaient confinés aux deux hôpitaux psychiatriques à Saint-Jean et à Camilton, ainsi qu'aux trois cliniques de Fredericton, de Saint-Jean et de Moncton, les trois villes formant le triangle sud de la province. Un peu plus loin dans le livre, Louis Richard explique, les premiers travailleurs sociaux acadiens étaient en grande majorité des hommes et formaient la première génération de diplômés universitaires. Par ailleurs, ce livre permet de mettre en lumière la précarité des conditions de vie au Nouveau-Brunswick avant la création du programme de réforme sociale Chance égale pour tous, instauré par Luigi Robichaud dans les années 1960. Il est possible de saisir à la lecture de ce livre en quoi le programme de réforme a contribué au développement de nombreux services au Nouveau-Brunswick dans trois secteurs, c'est-à-dire les secteurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Notons d'autres aspects importants soulevés par les auteurs dans ce livre, soit les défis rencontrés par certains groupes marginalisés et racisés, dont les Mi'kmaqs, et les Néo-Brunswickois noirs, ces derniers ayant fui l'esclavage durant les années 1800. Le poids des inégalités structurelles liées, par exemple, à la région habitée, à l'appartenance religieuse, à la race et au genre. Les défis également auxquels étaient confrontées les personnes œuvrant dans les organismes et les réseaux de bienfaisance. Quant à certaines inégalités à l'égard des Mi'kmaqs, Laurel Louis et Linda Turner le rapportent de cette façon à la page 101. En 1915, des membres de la bande des Sibuktuk demandèrent que l'on enseigne à leurs enfants en Mi'kmaq et non en anglais, parce qu'ils ne connaissaient pas cette langue. Ils réclamèrent l'embauche d'Alma Isaac comme enseignante. Ses sœurs Rebecca, Mary et Margaret pouvaient aussi enseigner aux enfants en Mi'kmaq. Selon Martha Walls, cet externat demeura fermé pendant 8 ans. C'est donc dire que leurs demandes restèrent lettre morte. Cette inaction s'explique probablement par le fait que le gouvernement fédéral était résolu à éliminer les langues autochtones afin de faciliter l'assimilation. Les externats suivaient le même calendrier que les écoles publiques, soit de septembre à juin. Or, ce calendrier ne convenait pas à des personnes vivant de la pêche, de la terre et des travaux saisonniers. Les externats présentaient de nombreux autres problèmes. La langue d'enseignement était l'anglais, même si les écoliers avaient le Mi'kmaq ou le Malécite comme langue maternelle. Les bâtiments étaient délabrés, l'enseignement ne dépassait pas la 6e année, il manquait de fournitures scolaires,
de base comme des cartes géographiques, des tableaux et des fiches de leçons, et la qualité de l'enseignement dispensé était inférieure à celle des écoles publiques. Tant les récits effectués auprès de pionniers et pionnières du travail social au Nouveau-Brunswick et les documents historiques consultés permettent de constater les conditions de vie difficiles en raison des nombreuses inégalités et du manque de ressources. Les propos relatés de Richard Duffy, qui gérait à l'époque un programme d'aide pour les personnes aînées et les personnes en situation de handicap, illustrent certaines de ces conditions de vie assez difficiles dans les extraits suivants à la page 80 et 81. Si vous aviez moins d'enfants, vous obteniez beaucoup moins d'argent. 6 $ par semaine pour couvrir toutes les dépenses. À l'époque, les familles payaient 50 sous de loyer par jour dans certaines de ces habitations du quartier sud, des taudis sans plancher, rien de plus que des étables, des boîtes de thé qui leur servaient de table et de chaise. Ils n'avaient rien. Ils buvaient de l'eau chaude, se chauffaient les pieds près du four et arrachaient les bardeaux de leur maison pour faire bouillir de l'eau. Du coup, ils perdaient toute la chaleur de la maison. Il leur fallait survivre d'une manière ou d'une autre et ce n'était pas facile. Cependant, la bienveillance de certains dans la communauté leur permettait minimalement de survivre. Richard Duffy rajoute, « Tous ces petits magasins, je ne sais pas comment ils arrivaient, mais ils faisaient crédit à tout le monde. Ils savaient la plupart du temps qu'ils ne se verraient jamais payer. Un client qui leur devait 100 $ entrait et demandait, « Me feriez-vous crédit pour 5 $ d'épicerie? » Ils acceptaient toujours. Le client disait, « Je vous paierai la semaine prochaine », mais la semaine prochaine n'arrivait jamais. Les conditions de vie pour ces pionniers du travail social n'étaient pas les plus faciles non plus, comme le relate Carol Proctor, elle qui a travaillé à la Société d'aide à l'enfance dans les années 1950. « Je gagnais 100 $ par mois. J'étais censée travailler à temps partiel, aux 2/3 d'une semaine normale de travail. La plupart des gens travaillaient 6 jours par semaine, alors je devais travailler 4 jours semaine. Mais en réalité, je travaillais 7 jours sur 7, et parfois toute la nuit. Si à minuit, on nous envoyait secourir des enfants qui avaient été négligés et laissés seuls, de jeunes enfants laissés dans une maison sans surveillance pendant 3 jours, nous restions debout toute la nuit. Alors, on me versait 100 par mois et de ce montant, je devais payer mes dépenses de voiture, nourrir les enfants sous ma garde et les amener chez le médecin à Moncton. » Alors, après avoir passé quelques-uns de ces extraits, pour conclure, les auteurs Laurel Louis, Luigi Richard et Linda Turner accentuent cette richesse de l'histoire du travail social en l'exprimant ainsi à la page 209. Le contexte colonial, historique et économique entourant la prestation de services sociaux ainsi que les réalités associées à la pauvreté dans la province servent de toile de fond à la création d'organismes voués au bien-être social et à l'évolution des services de protection de l'enfance. Les expériences vécues et racontées par les premiers travailleurs sociaux de la province nous donnent un aperçu unique des pratiques courantes à l'époque et les connaissances que nous tirons du vécu des premiers travailleurs sociaux acadiens nous aident à mieux comprendre comment un groupe de professionnels de la minorité a pu prendre sa place dans l'ordre social de la province. La protection de l'enfance étant au cœur de la profession de travail social, les récits des expériences des clients et des travailleurs sociaux dans ce domaine au Nouveau-Brunswick revêtent donc une grande importance. En brossant un portrait clair de la situation telle qu'elle se présentait à l'époque, nous sommes mieux à même de saisir l'importance incommensurable du programme d'égalité sociale, tant pour les travailleurs sociaux professionnels que pour la population néo-brunswickoise. Ce programme annonçait une nouvelle ère pour la province. Cet ouvrage permet donc d'en apprendre davantage au sujet des dimensions historiques, économiques et politiques qui ont contribué à la professionnalisation du travail social au Nouveau-Brunswick.
Il peut aussi intéresser les lecteurs et les lectrices qui aimeraient en connaître un peu plus à propos de cette période historique au cours de laquelle ont émergé des services visant à réduire les inégalités dans la province. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Nous allons maintenant poursuivre avec des discours de la part de chacun des auteurs. La première autrice est Laurel Louis, professeure retraitée de St. Thomas University. Laurel s'est jointe au projet du livre en 2005. Après avoir obtenu un baccalauréat en travail social de l'Université St. Thomas, elle a été engagée en tant que coordinatrice de l'unité des victimes de crimes de l'agence de police de la ville de Fredericton. Laurel a aussi complété une maîtrise en travail social à l'Université de Toronto. Elle a aussi travaillé dans le domaine du bien-être des enfants dans deux communautés autochtones, et ce pendant plusieurs années, en même temps qu'elle enseignait à temps partiel à l'Université St. Thomas. Elle s'est retirée comme professeure agréée de l'École de travail social à la fin de 2018. À présent, elle adore passer du temps avec ses petits-enfants et en écrivant des histoires sur des travailleurs sociaux spécialistes au Canada. C'est Mme Linda Turner qui va partager le discours en son nom afin que celui-ci soit en français. La parole est à vous, Linda. Merci. Et je me demande à Laurel, can you just click to show your camera so that you can wave hello to everyone? Here she comes. Great. Can you see me? No, we can hear you though. Hello, nice to hear your voice. There we go. Wonderful. Super. Okay. Thanks a lot, Laurel. Laurel a choisi pour son temps. Nous allons avoir du temps chacun de nous. Bonjour tout le monde. Et nous sommes vraiment contents que vous êtes ici avec nous. Alors, Laurel, pour son temps, elle m'a demandé de lire un passage de notre livre à la page 98, et je pense que vous allez bien comprendre pourquoi pour elle, c'est important que nous réfléchissions sur cette partie. Je vais vous le lire. Nous avons montré que les francophones de la province, qui habitaient en majorité dans des régions rurales, avaient moins accès que leurs concitoyens anglophones à des services d'éducation, à des soins de santé, à des emplois et à des services juridiques dans leur langue. Les Mi'kmaq, les Malécites et les Passamaquoddy étaient défavorisés de façon encore plus systématique, car ils furent laissés pour compte, ceci c'est une citation, dans la structure institutionnelle en évolution qui garantissait au moins un peu d'aide aux indigents d'ascendance européenne. C'est la fin de la citation. Les Autochtones bénéficièrent d'un programme d'enseignement lacunaire aux visées assimilationnistes qui étaient dispensées en anglais dans des externats, comme Isabelle a mentionné. Cet enseignement devint plus uniforme après la Confédération. Avant 1867, les Autochtones n'étaient pratiquement pas instruits ou ils n'ont pas eu accès. Il faut préciser que, après la Confédération, l'administration fédérale ne reconnut pas les Passamaquoddy. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick en fit autant, même s'il leur réserva deux parcelles au début des années 1880. Le pensionnat de Shubenacadie, qui ouvrit ses portes en 1929 en Nouvelle-Écosse, constitua pour les Autochtones une étape significative vers l'anéantissement de leur langue et de leur culture, sans compter que beaucoup d'enfants y furent victimes de mauvais traitements et y moururent de maladies. La section qui suit met en évidence le manque de services sociaux et l'effort d'acculturation.
À cet égard, l'expérience des Mi'kmaq, des Malécites et des Passamaquoddy au Nouveau-Brunswick s'apparente à celle des Autochtones d'ailleurs au Canada, du fait que tous étaient réduits au statut de pupilles de l'État. Merci beaucoup et merci Laurel d'avoir choisi ça. Merci beaucoup, Madame Turner. Le prochain auteur à nous adresser quelques mots est M. Louis J. Richard. Louis Richard est né à l'Île-du-Prince-Édouard et est diplômé de la première cohorte de l'Université de Moncton en 1964. Louis a œuvré dans les provinces maritimes et est diplômé dans les domaines suivants, excusez-moi. Le milieu psychiatrique, la protection à l'enfance et les services aux familles, la recherche action et la médiation familiale. Il a aussi travaillé en République dominicaine dans une organisation communautaire. Il a terminé sa carrière à l'École de travail social de l'Université de Moncton en 2005. Il a tenu des postes de professeur, de coordinateur des stages, de directeur adjoint, ainsi que de directeur par intérim. La parole est à vous. Merci, Allison. Et bonjour à tout le monde 2 ans plus tard. Aujourd'hui, dans ma courte présentation de 10 minutes, je propose de toucher 4 sujets. Premièrement, une position de privilège. Deuxièmement, la publication de notre livre dans les 2 langues. Troisièmement, la question des inégalités sociales. Et quatrièmement, les révisions. Bon, dans un premier temps, je calcule que j'ai pu agir à partir d'une position de privilège avec 2 collègues, 2 co-auteurs exceptionnels. Dans le cas de Laurel Louis, il faut dire qu'elle a une idée claire et précise qui rejoint les propos de Agatha Christie. Et dans le cas de Linda Turner, bien, qu'est-ce que je peux dire? Linda a toujours un compas moral bien ajusté aux questions qui nous intéressent par rapport aux inégalités sociales. Alors, ces 2 femmes, comme moi, natives de l'extérieur du Nouveau-Brunswick, tous les 3, nous avons fait carrière ici dans cette province, et elles demeurent toujours très passionnées et intéressées par les questions de justice sociale. Le deuxième point que je veux faire, c'est la question des 2 langues. Nous avons les 2 copies ici. En premier, nous avons été publiés par l'University of Toronto Press et par après, notre traduction a été publiée par les presses de l'Université Laval. J'aimerais ajouter que dès le début de l'écriture de la version anglaise, c'était clair à notre esprit que nous lancions avec un projet provincial, c'est-à-dire qu'il soit disponible dans les 2 langues officielles. En cours de route, une fois la version anglaise terminée, nous avons été à la recherche de fonds pour la traduction. On a eu des offres à nous publier dans d'autres domaines, dans d'autres livres, comme on a voulu prendre une partie de notre livre pour publier en français, mais nous étions très clairs sur ce sujet-là. Ce qui apparaît en français est exactement ce qui apparaît dans la version originale en anglais. Pour la question des inégalités sociales, bien, nous avons choisi nous avons identifié les 3 regroupements principaux du Nouveau-Brunswick, les Autochtones, les Premières Nations, les Acadiens et le groupe anglophone qui a commencé au Nouveau-Brunswick avec l'arrivée des loyalistes. Il est important de reconnaître ce fait ici parce que quand les loyalistes sont arrivés ici, ils arrivaient avec la terre haute, avec leurs servants, avec leurs meubles, avec de l'argent dans les poches. Et tout de suite, ils n'ont pas tardé à s'établir et prendre contrôle du terrain. Bon, en 1783, 5 ou 6 bateaux sont arrivés au port de Saint-Jean et les gens sont montés jusqu'à Fredericton.
L'année suivante, 1784, ils ont établi leur propre province du Nouveau-Brunswick en divisant celle-ci de la Nouvelle-Écosse. Parce que jusqu'à ce moment-là, nous faisions, au Nouveau-Brunswick, nous faisions partie de la Nouvelle-Écosse. Et l'année suivante, en 1785, les loyalistes à Fredericton ont établi une base pour une académie d'enseignement qui est devenue la première université de langue anglaise au Canada, the University of New Brunswick. Alors, avec ces inégalités-là, je n'ai pas à vous faire l'histoire aujourd'hui, mais je vais juste signaler les dates d'arrivée des premiers travailleurs sociaux. C'est en 1918 que la première travailleuse sociale de langue anglaise est arrivée dans la province. Mais les Acadiens devront attendre quasiment 40 ans plus tard, en 1957, avec l'arrivée de M. Normand Clavette de Saint-Basile. Il a commencé son travail à l'hôpital provincial, l'hôpital psychiatrique à Camelton, et puis presque 40 ans après sa collègue Elizabeth King. Et les Premières Nations auront dû attendre au début des années 70, je ne suis pas certain, mais je crois que c'est en 1972 que Malcolm Solis, un autochtone du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, Malissi, a obtenu sa maîtrise en travail social et a commencé une carrière brillante qui l'a amené dans une université de l'Ontario. Bon, je voulais dire un petit mot sur les révisions. Avant d'être associés à la maison de publication du U of T Press, nous étions associés à une autre maison. Et puis, à leur suggestion, nous avons demandé aux deux écoles de travail social de la province de faire une critique. Et les deux écoles ont accepté volontiers. Et c'est grâce à ces critiques-là que nous avons procédé à parler davantage, identifier davantage les trois groupements dont je viens vous parler. Par après, U of T Press a procédé à deux évaluations, deux révisions de pair. Et si nous avons un certain crédit pour ce livre ici, je crois que c'est parce que nous avons été bons élèves à partir des trois révisions. De ma mémoire, lorsque nous avons vu ces critiques ici, vous devriez faire ceci, pourquoi n'avez-vous pas fait ça, avez-vous pensé à ceci? Nous avons étudié chacune de ces critiques et chacune de ces questions-là à fond et nous y avons répondu. Alors, voilà, c'était pour les révisions. Et puis, pour terminer, je veux signaler mon appréciation aux presses de l'Université Laval, à l'Association des travailleurs sociaux, des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, le conseil étudiant de l'École de travail social de l'Université de Moncton et la direction de l'École de travail social de l'Université de Moncton. Pour une énorme énergie que j'ai sentie depuis deux semaines, surtout précédant ce lancement ici. Et je veux remercier mon amie la sénatrice Nancy Hartley, qui, lors d'un dîner avec moi avant Noël, a lancé l'idée de tenir une démarche comme celle-ci. Pour terminer, je voudrais offrir des excuses aux personnes dans la communauté qui n'auraient pas été avisées trop assez de cette présentation. Je m'en excuse, mais je veux vous rappeler que à partir de demain, cette présentation, vous pourrez la revoir. Vous n'avez qu'à appeler le secrétariat de l'École de travail social et on vous indiquera comment procéder. Comme dernier message, par rapport, ceci rejoint mon étude sur les premiers travailleurs sociaux acadiens, à ma connaissance, il y en a 5 des 12 qui sont encore vivants. Ils sont tous dans la région de Moncton. Et je lancerai un appel, un commentaire à la direction de l'école et au conseil étudiant
si vous voulez rencontrer ces personnes qui ont beaucoup à vous raconter, je vous suggère de ne pas attendre trop longtemps. Bon, merci. Merci beaucoup, M. Richard. Ensuite, nous avons Mme Linda Tenue. Mme Linda Tenue est née dans le sud de l'Ontario. Elle a obtenu son baccalauréat en travail social à l'Université Dalhousie, ainsi qu'une maîtrise à l'École de travail social de l'Université de Moncton, et ensuite un doctorat à l'Université Memorial de Terre-Neuve. Après une carrière diverse en travail social, elle s'est jointe à l'équipe de l'enseignement de l'Université St. Thomas à Fredericton. En 2010, elle a emménagé en Australie pour contribuer à l'établissement d'un programme universitaire à distance de travail social centré sur la pratique rurale et éloignée. Depuis 2015, elle travaille en Nouvelle-Écosse, présentement pour le département des aînés et des soins de longue durée. La parole est à vous, Linda. Merci beaucoup. Avant que je commence avec mon discours, il nous fait très grand plaisir que Anne Ouellet va partager quelques mots avec nous. Anne est l'épouse de Brian Ouellet et nous ne serons pas ici aujourd'hui si pas pour Brian et son désir de rendre honneur aux pionniers de la profession de travail social dans le Nouveau-Brunswick. Alors, si c'est possible pour Anne de prendre le micro. Merci, Linda. D'abord, je désire féliciter Laurel Louis, Linda Turner, puis Louis Richard sur le lancement de leur livre. Ça a été un gros effort. Vous avez travaillé très, très dur. Et enfin, c'est publié dans les deux langues, qui est incroyable. Pour faire un peu d'histoire, Brian a eu l'idée de faire la recherche de du travail social au Nouveau-Brunswick avant 1967. Il s'engagea à interviewer, à enregistrer le témoignage de vieux travailleurs sociaux. Donc, j'ai presque rentré dans le système. J'ai gradué dans la première classe des travailleurs sociaux du bac en service social de l'Université de Moncton en 1970. Ça fait, j'étais dans ce frame-là lorsque j'ai commencé ma carrière. Je peux continuer, mais je vais essayer de me retrouver. Une collaboration fut formée avec Linda Turner. Brian a fait cette recherche-là. Ça a commencé, peut-être en entour de 2002-2003. Puis, il rencontrait des vieux travailleurs sociaux qui étaient vraiment son bag. Il aimait ça de parler aux gens et d'entendre des histoires. Il y a eu une collaboration qui s'est formée avec Linda Turner et Laurel Louis de l'Université St. Thomas. Et avec Louis Richard et Catherine Marcosio de l'Université de Moncton. Puis ensemble, ils ont fait la décision de produire un livre, d'écrire un livre et de le traduire, de les avoir dans les deux langues, qui est vraiment significatif. Puis ça allait avec toute l'histoire de l'égalité sociale. Puis, je me rappelle d'une des dernières rencontres que les cinq ont eues ensemble à Cap-Lumière. Quelle belle équipe de collaboration, d'amitié et quel gros projet. Et ce beau gros projet a vu bien des défis. Entre autres, Brian est décédé au mois de décembre 2005. Et 15 mois plus tard, ça a été le décès de Catherine. Même condamnée et surmontée de peine et de tout, Linda, Laurel et Louis ont su prendre la relève. Et avec beaucoup de travail, de persévérance, de motivation et de courage, ils ont vu naître leur livre. Le dicton à Brian était d'avoir confiance dans le processus, trust the process. Ben, je pense qu'ils ont eu besoin de faire beaucoup de trust the process. ça s'applique bien à ce lancement.
Ma famille et moi désirons remercier Linda, Laurel et Louis du fond du cœur pour tout leur travail. Et la réalisation de ce projet. Merci. Merci beaucoup, Anne. C'est un vrai cadeau que tu es ici avec nous. Brian disait toujours qu'à travers sa recherche et aussi le livre, que l'important c'était de rendre honneur aux pionniers de notre profession. Alors, on commençait avec le matériel des entrevues de Brian ainsi que de Louis avec son projet sur les premiers travaux sociaux acadiens. Il y avait aussi beaucoup de documents ici et là, dans des boîtes partout. Nous avons engagé des étudiants pour transcrire des entrevues et pour passer à travers les documents. Laurel, en particulier, a dévoué plusieurs heures plongées dans les archives provinciaux à Fredericton, mais aussi aux archives fédérales à Ottawa. Nous cherchions toujours les noms, des noms sur des listes des réunions de l'ATSNB dans ces premières années. Déjà mentionné, il y a beaucoup ici avec nous aujourd'hui qui connaissaient bien Dr. Catherine Marcocchio, ancienne directrice de l'École de travail social à l'Université de Moncton et ma superviseure de thèse de maîtrise. Elle nous manque beaucoup déjà depuis 15 ans. Catherine faisait partie de notre équipe, comme on a déjà dit. Elle était passionnée à trouver les détails biographiques et à identifier les lieux de travail. Vous pouvez voir peut-être, nous avons créé une affiche et là-dessus, il y a 103 noms qu'on avait trouvés, ça c'était 2007, et les lieux de travail. Et vraiment, chaque fois que je le regarde, je vois Catherine là-dedans parce que c'est tout ce qu'elle faisait, elle était vraiment centrée sur ça. Je vais mentionner en parlant de Brian et de Catherine que tous les revenus des ventes du livre anglais et français iront directement aux écoles de travail social de l'Université de Moncton et de St. Thomas pour des bourses en nom de Brian et Catherine. Dès notre début, en décembre 2004, il n'y avait pas question que le livre soit disponible dans les deux langues officielles. Nous avons eu une expérience extrêmement positive avec l'équipe de l'Université de Toronto Press pour la version anglaise. Nous sommes très reconnaissants à Néré Saint-Amand, j'espère qu'il est là aujourd'hui, parce qu'il a écrit un avant-propos, il a écrit l'avant-propos que vous voyez dans le livre et appréciation du livre. Aussi, Sandra Devinck et Isabelle Lantaine, longtemps avant que le livre était promettant, je vous assure, elles ont écrit les lettres de support qui ont certainement aidé à convaincre l'University of Toronto Press que ça valait la peine de publier le livre. Alors, merci Néré, merci Sandra, merci Isabelle. L'ATSNB et les deux écoles de travail social, ainsi que des branches de chaque université, des branches qui avaient de l'argent aussi, nous ont supportés. Ça fait tous les trois nous ont supportés avec de l'argent, l'encouragement et l'enthousiasme pour le projet, dès le début jusqu'à aujourd'hui. Et la plus grande communauté était là aussi. Parmi ceux qui ont contribué avec des dons financiers pour la traduction, on trouve une bonne amie de Louis qui préfère de ne pas être identifiée, Madame Manuelette, Canadian Parents for French New Brunswick, Unie, le réseau des caisses populaires, Assurance Assomption à Moncton et la Congrégation des filles de Marie de l'Assomption à Campbellton. J'aimerais mentionner que dans notre livre, nous parlons de l'importance des femmes acadiennes dans l'éducation des jeunes pour des générations et des générations. Et les sœurs religieuses méritent beaucoup, beaucoup de respect dans cet égard. Dans la lettre que j'ai reçue avec un chèque généreux de la congrégation FMA, la sœur a écrit quelque chose qui m'a touchée beaucoup et j'y pense souvent. Elle a écrit « Nous sommes acadiennes du fond de nos âmes ».
Alors, je trouve ça spécial. Et c'est le moment pour exprimer notre appréciation profonde pour les traductrices qui sont responsables pour la haute qualité du français du livre. Elles sont France Blanchard, Claudette Bourque et Jeanne Chiasson. Elles ont démontré leurs habiletés et connaissances, leur travail d'équipe efficace et professionnel, et surtout leur patience avec nous et leur dévouement au livre et son sujet. Merci beaucoup. La prochaine démarche, une fois qu'on avait le brillant en français, c'était de trouver une maison d'édition pour le livre en français. Et quand les presses de l'Université Laval n'ont pas hésité et même nous ont encouragé fortement à soumettre notre livre, avec eux, nous étions contents et soulagés. Nous remercions M. Denis Doiron ainsi que l'éditrice Marie-Hélène Boucher et Melissa Côté, qui veille toujours sur la côté de marketing, d'avoir rendu ce processus facile et agréable dès le début jusqu'à la fin. Dans le livre, vous lirez que Louis-J. Robichaud n'a pas seulement étudié à l'Université Laval, mais que c'est là où il a développé les fondations théoriques de sa vision d'une réalité pour le Nouveau-Brunswick qui offrira plus de justice sociale aux communautés défavorisées. Nous pensons qu'il serait fier de savoir que les presses de l'Université Laval nous ont offert un accueil si chaleureux. Nous remercions tous les pionniers de notre profession, comme Marcel Arsenault, qui est avec nous aujourd'hui, je pense, qui ont partagé avec nous leurs expériences et leurs perspectives sur le quotidien dans les périodes avant l'arrivée du programme d'égalité sociale. Le fils d'une des pionniers mentionnés dans le livre, elle s'appelait Vilma Curol, son fils nous a contacté, il s'appelle Valmar, il nous a contacté après pour nous féliciter et il a dit que le livre lui a emporté des souvenirs d'être l'enfant d'une travailleuse sociale dévouée malgré tous les défis qu'elle avait à surmonter. Et je vais mentionner que Vilma Curol, elle a gradué, était une des premières, la peut-être première graduée d'un programme à l'Estonie en 1941. Et 3 ou 4 ans plus tard, ils ont dû partir du pays avec tout ce qui se passait avec la guerre. Et elle s'est trouvée, elle a emmené sa famille au Canada. Et je veux dire, l'école où est-ce qu'elle a étudié n'existe plus trop après qu'elle est partie. C'était en ruine. Et j'ai su dernièrement, il y a des lettres que Vilma Curol, longtemps après qu'elle ait retirée, 50 ans après qu'elle a gradué, elle écrivait en Estonie pour demander comment est-ce qu'elle pouvait aider à le rétablissement de l'école de travail social là. Alors, juste pour dire son dévouement, mais aussi, il me semble que c'est très pertinent aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Et dans ce mois, quand la lumière est mise sur la profession du travail social, nous pensons à vous qui sont toujours en train de travailler et au futur, aux étudiants, au futur. Nous parlons de vous, nous pensons à vous, parce que vous êtes en train de contribuer encore à l'histoire de notre profession avec votre travail quotidien qui est tellement important. Juste un petit peu d'autre et j'aurai fini. Quand je travaillais dans le comté de Kent, tôt dans ma carrière, j'avais une cassette avec une chanson que je jouais quand j'étais découragée avec le système ou avec mes compétences. Le message, c'était Les petites victoires sont des grands pas. Et pareil comme les petites victoires au cheminement de la réalisation de notre livre ont fini par être des grands pas,
Je félicite chaque travailleur et travailleuse sur toutes vos petites victoires, même si vous êtes les seuls à les voir, parce que ça représente un grand pas dans les efforts pour un monde plus juste et sécure. Je finirai en remerciant de la part de Laurel, Louis et moi, toutes les personnes qui ont mis beaucoup de temps et de l'effort pour ce lancement de notre livre. Merci à l'équipe entière de l'École du travail social à l'Université de Moncton et le conseil d'étudiants de l'école, et surtout à Lise, Isabelle, Allison et Cynthia pour leur rôle important. Merci à Miguel et Martine et toute l'équipe de l'Association des travailleurs sociaux des travailleuses et des travailleurs sociaux au Nouveau-Brunswick. Merci aux presses de l'Université Laval pour la promotion de cet événement et du livre. La création de notre livre est une belle histoire de collaboration des centaines d'individus et des dizaines d'organismes. Nous tenons l'espoir que vous, tout le monde dans cette rencontre, partagez la même fierté que nous de savoir que les origines et les contextes du travail social professionnel dans le Nouveau-Brunswick dans ces premiers jours ne seront pas oubliés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Mon nom est Martine Paquette et je suis la registraire avec l'Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick. Alors, avant de passer aux questions, j'aimerais vous mentionner que l'Université Laval offre un code promo de 20% sur les livres. Alors, vous allez voir dans la boîte chat, j'ai inséré le code promo. Et puis, le code de 20% sera valide jusqu'au 30 avril 2022. J'aimerais aussi vous mentionner que l'association sera en mesure de tirer 5 livres. Alors, afin de gagner un livre, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la boîte chat. Si vous cliquez sur le concours de livres, vous allez pouvoir insérer vos coordonnées. Et puis, l'association sera en mesure de contacter les 5 gagnants. Afin d'organiser l'envoi du livre. Alors, vraiment, je vous invite à cliquer sur le lien afin de recevoir une copie du livre. Puis, je vous souhaite aussi bonne chance. Alors, nous allons passer maintenant aux questions pour les auteurs. Je vous encourage à taper vos questions dans la boîte chat en haut de votre écran. Et aussi, je ferai de mon mieux pour poser toutes les questions, mais je vous remercie de votre compréhension si on n'arrive pas à toutes les poser en raison du temps. Peut-être une première question, puis ça sera soit à Linda ou bien à Louis de répondre. Mais première question, c'est à quel point les choses allaient-elles mal pour les néo-brodicois avant l'introduction de l'égalité des chances, alors qu'ils étaient encore sous l'effet des lois des pauvres qu'on appelait de poor law? Je ne sais pas si Linda ou bien Louis. Linda, veux-tu t'aventurer? Ou veux-tu? Une des choses qui me revient, si je pense, est-ce qu'il y a du feedback quand je parle? Parce que moi, une des choses quand je pense comment les choses étaient à Nouveau-Brunswick, on vivait sous le système de la loi des pauvres qui commençait dans l'année 1600. Okay? Et ça a été transmis dans le Nouveau-Brunswick. Les loyalistes ont emmené ça. On dit, oh, bon, c'est un bon système, on va travailler comme ça. Alors, quand je pense comment difficile que ça serait parce que la façon que c'est organisé, une région avait besoin de lever les fonds pour supporter les personnes pauvres dans la communauté. Alors, c'était comme un système d'impôts, taxation, juste local. Alors, et ça veut dire, si moi je restais dans une communauté où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient défavorisées, marginalisées, qui n'avaient pas le moyen de se supporter, là, si que je... Moi,
j'aurais besoin de payer beaucoup plus dans la région où est-ce que j'étais pour venir à l'aide à ces personnes-là, comparé à une ville, disons, où est-ce qu'il y avait peut-être il y avait plus de personnes. Alors, ça, c'est une chose qui me revient quand je pense le système que Louis Robichaud et son gouvernement arrivaient en disant, « Oh, il y a une autre façon de faire les choses. Il y a la province peut avoir un système où est-ce que ça serait plus juste le montant d'impôt provincial que qu'on aurait besoin de payer pour mieux supporter. Alors, avant ça, c'était vraiment quelqu'un qui n'avait pas les ressources pour supporter eux-mêmes ou leur famille, mais c'était très fragile ce qu'il y avait pour les supporter. C'était très difficile. Ça, c'est une chose qui me revient. Je ne sais pas. Ah, je n'ai pas entendu, Martine, qu'est-ce que tu as dit? Merci, Linda. Peut-être une autre question. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué durant vos recherches? Des choses qui t'ont choqué? Bien, évidemment, il y avait toute la question des inégalités entre les trois groupes. C'était très visible. Plutôt dans la conférence aujourd'hui, on a mentionné les services psychiatriques dans deux hôpitaux et les trois villes du triangle du sud de Moncton, Fredericton et Saint-Jean. Ce qui veut dire qu'aucune des autres villes, encore moins les villages, n'avaient accès directement à ces services. Là, on mentionne les services psychiatriques, mais la même chose existait pour les autres services en travail social. Et puis même en éducation, par exemple, avant la réforme Robichaud, qui a été décrite comme une des plus grandes révolutions dans l'histoire du Canada, une enseignante dans la ville de Saint-Jean, avec 3 années d'expérience, touchait un beaucoup plus gros salaire qu'une enseignante avec les mêmes capacités, qualification et expérience à la MEC, disons, ou Saint-Basile. Alors, il y avait ces inégalités-là que l'on voyait partout dans la province. Parfait, merci Louis. Alors, encore, je vous invite à poser des questions dans la boîte chat. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont d'autres questions pour les auteurs. Non, je pense que c'était pas mal ça. J'aimerais aussi, on a quand même reçu des commentaires très positifs, vraiment que les participants remercient chaleureusement les auteurs, non seulement pour la présentation d'aujourd'hui, mais pour le travail assidu que vous avez fait durant les dernières années. Vraiment, les participants sont vraiment, ils remercient et vous souhaitent vraiment bravo. Alors, sur ça, vraiment, je vais demander, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander à Miguel Leblanc, directeur général, à venir dire un petit mot de clôture. Bon, regarde, je veux tout vous remercier encore une fois. Aujourd'hui, ça a été très touchant pour moi, car comme j'ai mentionné, c'est tous mes anciens professeurs. Je vois qu'il y a d'autres de mes professeurs qui sont en ligne présentement. Donc, c'est très intéressant de voir cette œuvre qui a été publiée. Je veux tiens à vous remercier ceux et celles qui sont parmi nous aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier nos invités, nos conférenciers, l'Université de Moncton, conseil étudiant de l'École de travail social et le personnel de la TTSNB pour l'organisation de cet événement. Et encore plus important, je veux vraiment remercier Laurel, Louis et Linda pour votre œuvre. Et aussi, je veux remercier Mme Anne Ouellette pour nous partager ces mots, car je pense que c'est important de reconnaître le rôle mondial que Brian a eu en travers de cette publication, mais a touché aussi d'autres gens en travers de notre communauté de travail social. Donc, ça m'a tout le temps touché, donc je veux remercier. Je n'ai jamais eu la chance de connaître Mme Catherine,
mais de ce que je peux comprendre, c'est le même, la même sorte de personne qui a touché plusieurs d'entre vous. Donc, je suis vraiment fier qu'on a pu avoir cette discussion, cette présentation et voir ce livre finalement être publié puis disponible pour non seulement nos membres maintenant, toutes les TS sont là, mais pour les étudiants et étudiantes, on espère qu'ils vont prendre le temps de réviser ce livre et de pouvoir connaître l'histoire de les travailleurs sociaux au Nouveau-Brunswick. Nous avons une histoire riche et je pense avec tous les défis qui se passent à travers du monde, envers la province, etc. Je pense que ceci, c'est une bonne fondation pour voir qu'est-ce qui nous a aidé dans le passé et comment est-ce qu'on fait pour améliorer nos programmes de le futur. Donc, sans plus attarder, je veux encore une fois vous remercier, vous souhaiter un bon mois de travail social. Vous êtes tout essentiel, vous êtes toute une demande critique. Je pense que votre dévouement à travers les deux dernières années, avec la pandémie, toutes vous autres en première ligne, je vous remercie au fort de mon cœur pour le temps et le dévouement que vous avez fait pour aider nos clients, car vous avez été essentiel depuis la première journée. Donc, on reconnaît ça, l'association, et on reconnaît ça n'a pas été toujours facile, mais vous avez tout le temps été là pour aider les plus vulnérables. Et donc, pour moi, je veux vous remercier pour votre beau travail. Donc, sans plus attarder, c'est fini. So, merci beaucoup.